Ok, là c'est le passage top 400, c'est parti. Là c'est le moment, c'est le passage top 400. D.I.S. est là. D.I.S. est là. Ta-da-ta-ta. Des favelas. Alors encore un guerrier. Putain, va falloir encore deny des bombes quoi. Va falloir encore deny des bombes. Franchement, je me sens pas très à l'aise quand faut deny des bombes, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, tour lancé ici. Ziliac c'est fort, mais vas-y, Nick. Non, vraiment, cette carte est très anxiogène, honnêtement. Mais la partie d'avant, on avait fait un blé très technique. Alors, t'es contre moi, Mytho. Ouh, attends. Est-ce qu'on est d'accord? Non, mais attendez. Non, mais là, est-ce que le play, ça va pas être de faire T5? Oh oui, là, c'est le play là. Oh, c'est magnifique. Non, mais là, c'est déjà win là. C'est déjà win. Bah, c'est win déjà. La game est déjà gagnée. Là, au moment où on se parle, la game est déjà gagnée. La game est déjà gagnée au moment où on se parle. Oh là oui, bah alors, tous les jours là. Oh, la game est déjà gagnée quoi. Elle est tellement gagnée là. Oh là là. Alors elle est tellement gagnée que tu vois, on peut même vraiment en toute humilité voilà, on peut même s'installer comme ça là. Voilà, tranquille là. Voilà, nickel là. Elle est tellement gagnée là. Pff, beaucoup trop simple cette game quoi. Chris, vous allez vous aimer. Non, mais en vrai, je mets même le Van Cleef là, tiens. Hop là. L'humilité, le chat. Voilà, petit Van Cleef là, nickel. Voilà. Franchement, là, pour le coup, petit Van Cleef. Voilà, nickel. Ouais, oh, vas-y, pose des cartes, vas-y, Maurice. Voilà, nickel. Là, on peut tempo un tour pour récupérer un lapin supplémentaire. Voilà, non, mais là, y'a pas de problème là, vraiment là. L'humilité est présente. Hein. Par contre, là, j'aurais dû faire le lapin sur ce tour. J'aurais dû le jouer. Oui, j'aurais dû le jouer. Alors là, vous comprenez pas ce qui se passe, c'est normal. C'est vraiment parce qu'on fait une partie très technique là. Là, on fait une partie très technique là pour le coup. Mais du Daniel Guichard. La tendresse. C'est un geste illégal quand on est deux. Voilà. On va pas de l'ombre le recruteur du labo. Merci deux fois. Pour merci Parabelle. On va pas de l'ombre deux fois le recruteur du labo. Donc on va pas de l'ombre un petit lapin. À moins qu'on fasse qu'un pas de l'ombre sur le recruteur du labo. Non, vas-y. Je pense qu'on va. Attendez, je me tâte là. Là potentiellement le karma va arriver de plein fouet. Donc quel moment tu poses dans le clip de 2? En clip de 2 c'était ok je pense. Je suis pas troll pour le faire. Non, la seule question c'est est-ce que j'aurais besoin de 9 lapins ou vaut mieux un lapin 3-3 tout de suite? Non, vas-y, on va faire ça. Backstab serait cool. Ok, c'est cool. C'est correct, j'aurais bien aimé avoir la barista, mais on peut pas demander la lune, j'imagine. Ok. Donc là, la problématique, c'est avec quelle rapidité il va être en mesure de mettre des bombes dans mon deck. Ok. Ça me va. Je sais pas si ça passe ce que j'ai fait. Contre le Dr. Boom, peut-être pas. Vous pensez que ça passe ou c'est chaud? Non, en vrai c'est chaud, mais ça passe peut-être. Si ça passe de ouf, non? Non, la question c'est est-ce qu'on shuffle les Iliacs aussi? Je pense qu'on se laisse le temps d'y réfléchir. Ouais, ça passe de ouf, on est d'accord, hein. Tu sais ça. Je pense qu'on se laisse le temps de réfléchir pour Iliacs. Parce qu'il y a peut-être un monde où on fait des Iliacs. Je sais pas, on verra. On est pas pressé. Mais je pense que ça passe large, non? Parce que là, on fait deux gros boards de suite, même s'il a deux bastons. Si on peut reshuffle. Super collisionneur. Ok, donc j'imagine qu'il a pas une. Ah, ça c'est chiant par contre, ça, parce que je paye mon limon. Mais du coup, il a pas une gueule. Oui, le placement était terrible. Non, en vrai, le placement changeait rien, vu qu'il y avait le repower, mais bon, peu importe. C'était quand même terrible. Non, mais je pense qu'on est bien, non? Du coup, on veut piocher, parce que là, on veut l'agresser. Hein. Non, la question c'est est-ce qu'on veut pas avoir un truc fort là-dessus? On plutôt assassiner du coup quand même hein. J'en mets deux sur ce tour. Et on met aussi ça. On veut piocher en fait là. On veut piocher. Faut le faire utiliser le super collisionneur. Je pense pas qu'il joue de bombe du coup, vu qu'il joue super collider, ça veut rien dire en vrai. Bon, ladder ça veut quand même dire des choses.
Ouais, non, il a l'air de jouer full contrôle. Même, ou alors il joue juste une version anti-mage. C'est dur à dire, cette game. Dur à dire. Ok, encore un stack d'armes utilisé, c'est cool. Bon, je pense clairement qu'on va pas reshuffle des... Ah, ça va être chaud, je pense, hein. Je suis pas sûr que ça passe, en vrai. Ça va pas passer, je pense. Ça va pas passer, à mon avis. Ça marchera pas, je pense. Du coup, sur ce tour, je me tâte à pas... Ah non, du coup, je peux pas le mettre au milieu, en fait, du coup. Sinon, je magnétise. Oh, c'est con, ça. Je peux pas jouer autour du super collisionneur. Je crois que ça passe pas, je crois. Arrête d'être négatif. Ouais. J'avoue que je suis négatif, mais c'est chaud, je crois. Là. J'aurais pu le poser avant, mais je voulais pas jouer cette façon, donc... J'ai peur qu'en en jouant qu'un... Je pense que je vais jouer que autour de une baston. Donc je pense qu'on en rajoute un là. Ok... On va pas pouvoir jouer autour de deux bastons, hein, grosso modo. Hein. Ça paraît assez évident. Là, il faut les monter le plus vite possible pour pas qu'ils se fassent one shot par la 4-5 pour 4 qui met 10 points de dégâts sur le tour 10. Donc dans un tour en fait. Oh, c'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. C'est très tendu. T'as pas été humble, Talk. Arrêtez avec ça, putain. Cassez les couilles. Mais c'est vrai, j'ai pas été humble. Alors Explomatique a juste rué, mais du coup ça lui permet de taper dans la 5-3. Bon, on a déjà le super collisionneur. Qui a géré l'armure aussi du coup, sauf s'il a l'armure à 7 là. Ok, elle est 1-1, ça fait une bonne baston, c'est chiant. Donc tac. 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 Oui. Il faut mettre toutes nos chances de l'autre côté pour qu'il y en ait un. Et maintenant on va les avoir un par un maintenant. Mais il commence à être énervé. Là maintenant le problème c'est que mon adversaire a des 4-5 pour 4 qui mettent 10 points de dégâts et qui ont rué. Ce qui est à peu près aussi fort que mes lapins. Bon, ça dit mes lapins coûtent 1 et c'est une 15-15 pour 1, mais bon. On va dire que j'ai dû quand même me prostituer pour les faire quand même. Hein. Si on tombe sur un heure de bouclier, si on tombe sur les heures de bouclier maintenant, c'est la merde. Hein. S'il y a pile poil les heures de bouclier, on est 100% mort, je pense. Ok, la première baston. Ça c'est ok, on l'attendait avec impatience. Alors là si c'est un de mes lapins qui ressort on a gagné je pense. Dommage. Dommage. Ok. Bon j'avoue qu'ils sont quand même gros hein. Genre là même les 4-5, il faut 2-4, avec 2-4-5 pour 4 il peut le gérer. Fallait le recruter sur recruteur. Je pouvais pas faire ça avec un recruteur. Il peut pas se recruter lui-même, hein, tu sais, hein, malheureusement. Bon, il a eu l'armure, donc s'il a l'armure de bouclier, il me baise. Dommage. C'est la carte de la droite, ça. C'est rarement assurant, la carte de la droite. Sentier de la guerre. Il a exec. S'il joue des execs, ça va être chaud, quand même. Hein. J'imagine qu'il y a exec, j'imagine. Ok. Ah, ok, pas exec, du coup. Mais du coup, il armor up pas. Bon, elle est quand même forte cette carte, franchement. Il en reste deux à gérer pour lui, est-ce qu'il pourra gérer les deux derniers? Je n'ai presque plus de cartes. Il commence à t'énerver, lapin, quand même, là. Il commence à t'énerver, hein. Il commence à être vénère, petit lapin, quand même, hein. Allez. T'as un pisex pour donner mon petit vivant au lapin. Ça, je le garde pour le dernier lapin, le Ziliax, hein. Concrètement, hein. Ou pour le lapin qui reste sur le board. Ça me soigne aussi comme ça. De toute façon, que voilà, la ressource Ziliax sera utile peut-être tôt ou tard. Ziliax, on jouera sur le dernier lapin, Ziliax. Parce qu'en fait, l'avantage c'est que, vous voyez, si lui il reste en vie et que potentiellement il y a une créa à gérer, bon, on a l'assassiné, je vais me dire, mais on pourra jouer le lapin plus Ziliax pour gérer la créa à côté. Bah, c'est l'avantage. Mais je pense qu'on jouera jamais les deux lapins en même temps. Ok, il commence à mettre des bombes, mais niveau PV ça devrait aller. Hein. Ça m'arrangerait presque de piocher la bombe maintenant. Comme ça, on optimise au maximum le heal. Okay, on a pas la bombe, fais chier. C'est dur à dire si... Ce qui est sûr c'est qu'on pose pas le lapin.
La question c'est est-ce que le taureau, est-ce que c'est le taureau en fait Ziliax? Non, mais ça, on va les face, ça c'est sûr. Ça. Non, mais non, attends, j'attends parce que si on fait Ziliax, si on fait. La question c'est est-ce que c'est. Non, mais la question c'est est-ce qu'on a assassiné la 3-3? Je pense pas que ce soit le tour de Ziliax. Après, s'il fait Elec et qu'il fout genre 4 bombes dans mon deck, on a déjà pris de la fatigue, on est mort. Donc il y a clairement un monde où on peut mourir en vrai. C'est pour ça que j'aurais préféré prendre la bombe maintenant. Non, je pense que. On le fait, hein. Et on garde quand même assassiné. Pour son Ziliax à lui. Ok, ça me paraît bien ça. Oh, c'est chaud! C'est chaud, putain. On peut crever sinon en vrai. Surtout, on le protège. De toute façon, là, il y a que Baston qui le tue en vrai, hein. Il y a que deuxième Baston là, hein. Il y a que deuxième Baston. Ou alors, il pouvait me tuer évidemment avec des bombes. Et les lecs. Il y a la deuxième baston. Donc là, au pire, on la perd. Et on pose notre lapin. Et normalement, il est ingérable. Ok, donc c'est sa meilleure créa qui ressort. Chier. Ok. Donc, on prend la bombe. Bon, du coup, le Ziliax n'a pas été opti, mais peut-être ça lui a fait changer le plan de jeu. Toujours pareil, hein, on peut pas savoir. Et là, du coup, on garde assassiné. Dans le cas où lui, il est Ziliax. Je vais crever. On n'a pas châté les bastons, putain, mais chier. Il a plus de baston, hein. On garde assassiné pour son Ziliax là. Ouais, c'est ça. Bon, potentiellement, on peut crever. Je rappelle le Ziliax au tour d'avant, du coup. Hein. Je rappelle le Ziliax au tour d'avant, du coup, je pense. Il y a déjà Ziliax? Je sais plus. On verra bien. Ça sort la bite quand même, là. Ça sort la double 4-5 pour 4 générée aléatoirement, là. Pile poil 20 de dégâts. Avec le petit hero power, nickel, hein. Il veut pas jouer, il veut pas jouer, il veut pas jouer, il veut pas jouer, c'est bon. Top 400. Top 400.